M'emmerde pas, Manas. Nick, casse-toi. Allez, reviens, t'es là pour cadrer. Aujourd'hui, vidéo imbuvable. Aujourd'hui, on est des stars. Je m'explique. C'est très simple. Dans cette vidéo, attendez-vous à tout et à rien en même temps. Si vous avez cliqué, dites-vous que peut-être il y a rien. Mais vous savez qu'il y a pas rien. Vous connaissez votre loustique. Comme ça. Hein c'est ouais, je me dis, en début de vidéo, c'est pas dingue. Mais au moins, s'il se passe rien, j'ai désamorcé. Ça va être incroyable. Ça, vous, il est malade. Ne l'écoutez pas. Ça va mais non, mais normalement, c'est forcément décalé quand tu vois la miniature. Tu vois le titre. Mais oui. Je te dis, il va rien se passer, tu me crois pas? Tu me menaces, tu me crois? Je t'ai pas dit partir. On est invité au zénith de DJ Benz. Alors, qui est DJ Benz? C'est le mec de TikTok là qui fait. Ou alors qui fait. Il est bon pour un boxeur, ça faut le dire. Oui, il rentre dans les boîtes en mode. Comme ça et tout. Calme-toi, cousin, calme-toi. Donc, DJ Benz, c'est le frérot, c'est. Tu me dégoûtes? Mais pas sous les siens. Mais Benji, mais. Il continue. Non, c'est pas ma DA, ça, je sais pas ce qu'il me parle. Bah oui. J'ai pas kiffé. Donc DJ Ben, c'est le frérot, c'est un DJ, si vous le connaissez pas, bon, je pense que de plus en plus, vous voyez qui c'est. Petit extrait de DJ Ben sur TikTok. Oui, my God. Petit extrait de DJ Ben sur Insta. Puis DJ Ben, je devrais rester dans sa douche. Non, mais ça va, je me dérange pas trop, non? DJ Benz de rush dans cette. Le DJ Benz, le frérot qui nous invite à son zénith, il a rempli un zénith complet, presque 6000 personnes. La soirée s'appelle DJ Benz et ses amis. Donc apparemment on est ses amis. C'est comme Choupi et ses amis. Ouais, exactement. Non, c'est pas Choupi, c'est Oui Oui et ses amis. Oui, oui. Sauf qu'on est loin de Oui Oui là, frère. Ouais. On est plus sur du. Non, non, là, frérot. Du peut-être, peut-être. Donc c'est pour ça que je vous dis, attendez-vous à tout et rien en même temps. On est juste invité, on va y aller. Fin. Et il va se passer forcément des choses, il y a forcément. Let's go! C'est le timing. Alors, l'énergie garde la même. Mais on y va pas là, c'est pas. Attends, j'ai pas okay, attends, vas-y. Genre même énergie après. C'est aussi simple que ça, on est invité, on va y aller, on va monter sur scène, on va faire des trucs, vous allez voir, il va se passer des trucs, évidemment. Après ça, c'est comme d'habitude, on vous emmène avec nous vivre cette petite. Ouais. Une image subliminale de nous sur scène ce soir. Maintenant, une seconde. Donc voilà, on y va, on est invité au Zénith de Montpellier. Il va y avoir du monde, il y a beaucoup d'invités. C'est la machine à fumer du Zénith. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'invités. On va essayer de vous faire kiffer au maximum, de vous faire venir avec nous. C'est parti, je peux pas vous dire plus que ça. Donc c'est parti, on prend la voiture direction Montpellier. Let's go. Non mais là du coup, non voilà. Allez c'est bon, vas-y. Il allume la cam. Non arrête, c'est Jules Nantes. T'as envie de tester sur moi là, mais sur moi. Sur toi, ok. Aouh. Ça le fait? Ça le fait? Attends. Ah oui. Ah, il y a une bonne décharge. Ah, ouais. Ah. Ah, attends. Ah oui, non, ça pèse. Ah oui, trois fois d'affilée, ça commence à faire mal. En fait, t'as vraiment pas envie de te le prendre. Il est complètement malade. Tu veux un marteau? Ah, mais arrête, t'as mis un putain malade. On verra mardi. Arrête. J'allais pas. Ça fait longtemps, frère. Ça va quoi? Ça va et toi, Bebooks? Manas. Ça va comment, frérot? Sacha. Je te veux dire, toi, tu pues. Direction Cannes. Ah putain, il y a toujours pas de truc. Les vacances de Cannes là? Comme chaque année. C'est pas du tout les vacances. Mais en plus, on part pas en vacances en avril, ça va, Benji. Zénith de DJ Benz, Zénith de DJ Benz, Zénith de DJ Benz. Et on va où? Au Zénith. Et où le DJ? Il fait 100 kilos. On prend les autostoppers, on les met dans le Pékin Express. C'est le Pékin Express 3 là. On l'a fait un boulot quand même. Bon courage les gars. Bon courage les gars, let's force go. T'as dit quoi? Il a parlé en anglais, ce fils de pute? Non, il a dit bon week-end. Ah, bah oui. Bah c'est en anglais, oui, mais c'est en week-end, ce fils de pute. Let's go. Bon courage. Bonne chance. Bah réponds pas, connasse hein. Bon courage, bonne chance. Allez, je vais faire enculer tout de suite. Ben, c'est son équipe qui nous ont pris un hôtel. On va juger l'hôtel quand je vous dire qu'on va être pointilleux imbuvable. Ça va être pointilleux imbuvable, j'en ai rien à foutre. Il y a intérêt à avoir au moins deux chances. Attends, mon sac. Il est où? Je fais partie de l'équipe du coup, en fait. Comment mon sac? En soi. Quoi? Ton baluchon de merde, là. Mais non, c'est une doudoune raflorée. Elle fracasse, frérot. J'adore, je te jure. T'es soin, hein. T'es juste soin, lui. Qui es-tu devenu, Benji? Dans trois chambres, Vanas, t'es tout seul dans le tour dans une chambre. Oh non.
peux être tout seul. Il va dormir tout seul, il est content. Tu veux que je dorme avec toi? Bah on dort tout dans le même lit alors. On vide le minibar. Tout ce qui est alcool et tout, je vide. Tout ce qui est bouffe, je vide. On a trois chambres, c'est-à-dire il y en a une, Marceau tout seul, une, deux et une deux. C'est quoi les binômes? Je suis avec Manas. T'es avec Manas? Tu veux dans la chambre? Je vais avec Benji. Je vais avec Benji. Ah non, si tu veux pas dîner, il va me pousser dans le bord du nid. Sacha me lâcher très vite. Tout ce qu'on a fait ensemble, on a monté des montagnes, on a traversé des pays à vélo. Et il a dit, moi je vais avec Manas, direct. On a pris un lit king size, il y a même pas 4 jours. Je rentre dans le lit à 6h du mat, t'avais pris toute la place d'avec king size. Une fois que t'étais dans le lit, après j'ai pris toute la place. J'ai dû te prendre, te soulever, te vider. Je dormais, t'es rentré à quelle heure dans la chambre? 6h. Merci. De minuit à 6h du mat, je suis tout seul dans la chambre, je m'endors, je prends la place. Non mais c'est, bah, je laisse le droit frère, t'es sérieux? Voilà, là, ah oui. T'as bien droit là. Il y a un coiffeur qui nous attend au Zénith pour nous coiffer, c'est fou. Putain, je suis dégoûté, j'ai le coiffeur hier, malgré que j'ai mis de la peau, frère. Regarde, filme ça, regarde, il rigole, il me crache dessus, frère. Fils de pute, toi. Vous faites ça tout le temps. Quand j'avais la repousse, tout le monde faisait ça. Vas-y, vous souriez. Ça va, ça passe, non? Le même angle à la bonnie, là. Ça passe, non? Fais-lui le même angle, enlève tes lunettes. Fais, écarte les sourcils. voilà, c'est une coupe en chargement, frère. T'es en loading, là. Sigilous. Raconte-moi une histoire, Sigilous. Raconte-moi une. J'ai une histoire. Vas-y. Une fois. Je me suis retrouvé embarqué dans un bateau clandestin. Vous n'aurez pas la suite. On y va. Je regarde les stories de Benji, mon ami d'enfance. Je vois une petite story avec Marcelin, une petite story avec Sacha. Fin de la story. Mais t'étais en train de conduire. C'est pas grave, excuse-moi. Si. Faut savoir que c'est, il a le syndrome de l'exclusion. C'est-à-dire que dès qu'il est exclu à peine, il se sent mal, un mal-être. Tu connais mon passé. J'étais là. D'ailleurs, c'est fou que même dans les moments où on est invité bien propre et tout machin, on est quand même en retard, on a des trucs à respecter en règle, en termes de d'heure. Là, c'est parce qu'il y a un coiffeur. Voilà, le coiffeur, faut qu'il a, genre, il a son planning et nous, faut qu'on se cale. Je vous ai dit, vlog imbuvable. On est passé à gauche, là où il y a la police, vers le funérarium. On va pas se faire cramer là quand même, c'est le fire. Attends, tu peux juste répéter ça, je te mets en parleur parce que j'ai pas tout compris. Longe le zénith et tu passes derrière. Pas compris. Voilà, ok. Rien n'est clair. T'as compris Sacha? J'ai compris rien. Donc non du coup. Approximativement rien. Oh, on a failli taper la Clio 5. C'est là, c'est 100% là. Les stars arrivent. T'es dans un mirador. La vie de ma mère, on dirait qu'on rentre à... dans un mirador. sur la liste, normalement, nom de Jilsi. DJILSI. Ok, c'est bon. Je voulais juste vous garer sur votre droite. Ouais. Le même sens que les autres fois. Ça marche. Là, j'ai l'impression que tout le monde regarde. Ouais. Tout le monde regarde. Il y a une petite pression qui s'installe. Il a dit dans le même sens que les voitures. Mais ils ont toutes des sens différents. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Anthony. Accroché Anthony. Je l'ai cache reconnu. Je l'ai cache reconnu. Elle m'a cache reconnu. Anto, recule. Anto. Attends. Je suis choqué. Ça, tu suis un peu? Incroyable. Ah, c'est cool, ça fait plaisir. Passer à énergie 12. Incroyable. Ah les pintades. Prends une photo avec Roi Antonia Carras et Jilsi. C'est Antonia Carras là. Ça va bien? Ça se passe? Un petit truc pour rentrer par ça. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Faites pas les marioles les gars. Pendant que Sacha il se fait coiffer, on va faire un tour, pour voir. On va voir Benz un peu. Zénith de Montpellier. Oui. Oui. Oui, monsieur. Ça va, mon ref? Je suis content de te voir, mon ref. Merci d'être venu. Merci. Bonjour, frère, de nous avoir invités, c'est fou. Eh, dinguerie. Ça va être fou, hein. Amène-moi sur la scène un peu, je regarde. En gros, regarde, je t'explique. On va vous amener des bateaux. Ok. Ouais, non mais en fait non, pour de vrai, c'est loin frère. Tu te loupes, tu te manges les dents. Je m'en bats. Ça fait du buzz, ça fait des vues. Faut sauter de là.
pour arriver là. Faut juste pas que je prenne un câble. Frérot, c'est loin. Tu restimes un peu, frérot. Hein? Tu restimes un peu. Moi, je te sens capable de le faire, mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça en tout cas. Moi, je peux le faire 100%. Franchement, frérot, risqué. La tête de mer que je le fais, gros. Tac, tac, tac. Je le fais sans problème, sans regarder quand même, dis-toi. Je le fais, je m'en bats les couilles. Bah oui. Il y a déjà des gens qui rentrent. Mais non, ça fait quoi? Mais moi non plus, je sais pas que tu l'as. Parce que je veux le van, magicien hors pair, Harry Potter. Demande-moi si les répètes sont bien passées, tout ça. Les répètes sont bien, c'est pas bien. On a pas fait de répètes, on a pas fait de répètes. T'as pas besoin de répètes. La magie, t'as pas besoin de répètes. Au pire, je fais un bail comme as, tu vois. Je fais genre, je prends un paquet de cartes imaginaires et je le mélange. De toute façon, toi, frère, t'arrives à un niveau, tu peux dire ce que tu veux, ça va passer. Mais ils vont, le c'est pas mal. Tu crois que je mélange rien? Mais c'est pas trouble. Le magicien de Nouvelle, il est en plein. Il est en plein. Attends, il a fait un truc d'un bout là. Dis-moi stop quand t'es chaud, quand tu veux, quand tu veux. Vas-y, vas-y. Stop. Tiens, prends la 4, regarde la vite, hein, vas-y. Monte-la, monte-la. Ok. C'est bon, tu l'as, elle est ouais, en ta tête. Bon, les 4 sont différentes, on est d'accord, tu vois, ouais, c'est ouais, bon. Ouais, ouais. Répète-la dans ta tête, maintenant. C'est bon. 4 de KO. Attends, attends, attends. Okay, ouais, ouais, c'est ouais. La première étape, c'est après. J'espère que c'est pas ça, tonton. Non, non, non. Tiens, okay. Oh, dis-moi stop aussi quand tu veux. Stop. Ici. Ouais. On est d'accord, bah, tiens, prends la 4 et regarde-la bien. Vas-y, Benji, montre. Ok, ok, ok. Benji, ok. Pareil, les cartes sont différentes, t'as capté, ok. C'est pas difficile, mets ta carte ici. De toute façon, je la connais, donc tranquille. Ouais. Je mélange un peu, t'as capté. Regarde-moi, pense à la carte. Ouais. 10 de trèfle. Ouais, c'est ça. Attends, regarde ça, c'est le début. Je me suis pas tapé. Ça, c'est la première étape. Ok. Frérot, t'as moi ta main à plat, vite fait. Je prends le cas de carreau. Mets juste ton autre main par-dessus, pas que je la prenne. Mets ton autre main, genre, par-dessus. Frérot, ta carte, c'est pas le cas de carreau, c'était le 10 de trèfle. Ouais. Regarde ça. Qu'est-ce qu'il fait? Regarde, regarde, regarde. Là, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux répéter quoi à partir de ce moment-là? Mais gros, je stresse. Ah! Y'a rien à répéter. Ah! Il a sorti des cartes de ça! Il fallait vraiment dégueuler. Il fallait dégueuler un truc. Toi, Justin, viens filmer, viens filmer. Mets-toi ta main de fou. Je vais essayer, gros, je te promets. Je vais faire ça avec ta main, et plus je fais ça, plus cette main va devenir souple. Tends le bras celui-là, et tends l'autre aussi. 1, 2, 3, t'es prêt ou pas? Là, maintenant, ta main va devenir très souple. Et je vais le faire ici, regarde. Détends ta main. T'es prêt? Ouais. 1, 2. Je vais répéter ma mère. C'est un sorcier. Dommage, elle est moche et elle vaut pas cher. C'est mais c'est à dire, en fait, tu peux vraiment pickpocketer des gens, toi, si tu veux. Ouais, pourquoi t'as des bails? C'est trop fort, frère. Bon courage. On s'extirpe. On s'extirpe. On s'extirpe. Ça se remplit. J'ai de plus en plus peur de sauter dans la foule. Y'a que des gens un peu jeunes. Mais j'ai peur, j'ai pas confiance au bras des gens dans la foule. Non, on va où là? La meuf qu'on a posé tout à l'heure, elle vient de passer là. Oui. Je crois qu'elle vient de dire que genre en gros c'est pas lui. Elle a dit c'était vraiment pas lui. Elle a capté. Elle a capté. Elle a dit mais c'est pas du tout lui. C'est pas du tout lui. Quand je dès que j'enlève les lunettes. Quand j'enlève les lunettes, y'a plus rien. En gros c'est pas là, je vais mieux en fait. Le saut, en fait, il faut vraiment sauter un peu vraiment en longueur. Mais si on veut pas le faire, on peut monter genre sur des. Je saute en sécurité. Tu sautes avec moi? Oui, d'accord. Mais 100 kilos sur le public. Tu vas péter des poignets, frère. On est dans un bateau, je crois. Dans mon meilleur saut de planche possible. Ah, ouais, frère, quitte à tomber par terre, là, sur la tête. Hein. Faut pas que je saute debout, surtout pas debout. Non. Il y a le saut, là, il y a le saut à faire dans la foule, frère. Tout est compliqué. Même dans la fosse, de ce que j'ai vu dans la fosse, c'est que des petits jeunes de 20 ans. C'est bien fait. Ouais, c'est un pro, frère. C'est l'autre côté. Beaucoup mieux, là, non? Ah, oui, mieux. Au bout de vous. Les gars, est-ce que je peux avoir votre avis pour un tour de magie? Non, allez. Mais ça se trouve, je vais faire de la merde parce que je sais pas. Tu fais tout, arrête, écoute, tu sais depuis quand je te connais? Depuis 2016, je vois quitter. Non, 2017, je crois. Ah ouais? Ouais. Et à chaque fois, depuis 2017, tu te dis, ouais, je crois que ça va pas marcher, nique ta mère. C'est pas un tour, c'est plus un effet. Tu vois, moi, je suis là, je discute avec vous, tout ça. En fait, au bout d'un moment, je suis monté un mec sur scène, sauf que le temps qui vient, c'est un peu long. Donc en fait, je suis ici et je dis, genre, putain, j'ai vraiment, genre, vla chaud de fou. Bref. Tu sors de la pièce. C'est... Hein? Tu peux faire une autre boisson? Une autre boisson? Tu peux faire d'autres de plus que ça? J'ai un chien là-bas. Un chien? Boss. Allez! Let's go! Let's go! Il va se prendre un beat. Ah, le beat. Le beat de l'année. Il était là, son père. Il était dans sa bouche. C'est vrai? Il a voulu te l'ajuster en avance comme ça. Ouais, mais ça se dit. C'est vrai, c'est ça, toi? Zéro. Juste depuis Jimmy, je vais pas la partie. Marcelin. Moi, je stresse. On va passer de Babtou à propre. Incroyable, on est propre ce soir. Je fais ton taf du coup là. Ouais, fuis, enculé, fuis. C'est normal que tu fasses ton travail.
qui s'y fait lui. Contre toute attente, il se coiffe. On est bien, ça passe. Ok, top. Mais t'es un fils de pute. Quoi? Il vient de te coiffer. Viens, on trouve ça chez les Belges. Vas-y, vite, ils sont sur scène. Mais arrête. Je suis juste sur ma vie. Arrête, tu vois? Viens, va voir, t'es prêt. On lance ça. Ok. On fait pas la même chose. La viande rose des hyper. Viens, on ça. C'est mon bateau. C'est avec ça qu'on va dans la foule. Sans forcer, juste, ça passe. Faut juste pas trébucher à dernier voilà, pas. Voilà, juste, tu sais, au bout, il y a les fiches, tu t'arraches, et par contre, c'est un même d'internet. Tu peux bien faire tes lacets avant. Ouais, nickel. Regarde, là, c'est même niveau, là, on est haut, et eux, ils sont en bas. Tu crois que Nexo, il a parlé 20 ans avant de sauter dans le Bercy comme ça, là, il se faisait contre transporter. Il a fait, je m'en bats les couilles, je saute. Oh, je ne parle plus que des clones, ça a commencé à aller. Il a que ça. De donner pour le pot en sortir. Arrête de tourner la cam dès qu'on fait un clip, dès qu'on chante. Ouais, tu crois qu'on fait que des clips, là, on est sur YouTube, cousin. On est sur YouTube. Mais du coup, il baisse carrément. C'est pas parce que t'as fait des clips qu'on va faire des clips toute la vie. Arrête, cadre bien. Ah, là. Nekfeu, frère. Moi, je pense Nekfeu. Moi, je pense Dishaim. Mais tu sais à quel moment là? Je crois que là on a sauté déjà, je crois. Ah ouais? Je crois, ouais. Lui, son approche, ça va être: ouais, j'ai toujours voulu sauter dans la foule, etc. Moi, je suis trop gros. La vie de ma mère, c'est ce qu'il m'a dit. Moi, je suis trop gros, donc je vais faire ma vie par procuration. Accueillez, s'il vous plaît. Tu le sais, Sacha, machin et tout. Là, on monte. Et lui, ça passe. Je pense que je le sens. Ouais, ça passe. On doit faire certainement le même point. Et lui, on n'a qu'une vie, ma gueule. Au pire, arrête de tourner la caméra. Au montage, je veux une fusée qui tombe et nous, on fait ah! Et on court, ok? Vas-y, vas-y. Il bouge pas du tout pour faire l'incrustation. Ah, c'est maintenant qu'elle est tombée. Ouais, regarde. C'est l'équipe, c'est les Kadzigoto. J'arrive en Volvo, pas en Punto. Tout le monde nous appelle les Kadzigoto maintenant, tu sais. À cause de toi. C'est toi qui annonce ce truc-là. Let's go. Les Kadzigoto. Oh, on est folle. Hey, fais bouger, j'ai dit. La vie de ma mère, c'est incroyable d'être comme ça. Okay, on va essayer d'aller dans les gradins, dans le public, sans faire de vagues. Et vous êtes prêts? Cachez-vous, baissez-vous avec moi. Non, on va dans les gradins là-haut. On peut marcher normal, c'est fou. Ça marche pas, c'est bizarre. T'as bloqué là, faut avancer, faut toujours avancer. Il a réussi. Il est fort. Échec de la mission. Ouais, je vraiment, c'est quoi ce flash là? Oh, il va sortir un projectile. C'est quoi ton compte? Out of context. Mais non! Menace! C'est out of context, Jesse! Quoi? C'est out of context! Regarde, on a. C'est le vrai out of context, mets la lumière sur lui. Bonjour, c'est toi. Le plus grand fan de Jesse. C'est out of context, Jesse. Prouve-le. Énormément. Incroyable, c'est le très haut de contexte. Attends, on a enfin mis un visage sur sa tête, sur ce nom. Un Montpellier. Décevant. C'est quoi la mission? Comment on fait? Je vais ressortir. Sinon, je dis que je me suis pissé dessus. Oui. Il va vouloir m'aider. Oui. Toute la fosse, vous me regardez en mode. Tu t'es pissé dessus? Attends, on y va. Dernière fois, on y va. On va refaire. Il y en a qui connaissent. La mission a tellement échoué. C'est un échec cuisant. Comment ça, un bon retour? Échec. C'est où les gars? Je suis pas bien sans eux. Échec cuisant, je me suis dit peut-être si on marche comme ça passe. Échec cuisant, t'as dégagé pour pas. Il m'a pas vu. Il y avait Out of Context, c'était un compte sur Twitter qui a commencé à faire des Out of Context de moi. Après, il en a fait de Benji, il fait de tout le monde, de nous tous. Et frère, on te love de fou, frère. Out of Context, il s'appelle comment? Thibaut. Thibaut, ouais. Thibaut, frérot, t'es la famille sans que tu le saches. La vie de ma mère, si on a besoin un jour d'un community manager, c'est lui. Et ben, ça promet. C'est le bruit. Gilles, frère, ça va? Ça va, frérot? Attention. Ça va, frérot? Ça va, toi, tranquille? Beatbox. Trop chiant.
Tu le sais. Ça dérange la cam ou quoi? Il rigole, Oli, il est venu, il a tourné la cam, il a fait. T'es une merde. Toi, tu lui as dit ça le dérange? Ah bah, je me suis dit, ça le dérange, il fait le mec. Imbuvable aussi, on est tous imbuvables. Il s'est pris pour Rocky Balboa, la vie de malheur. On n'est pas parti. Bah, on est toujours là. Hein. Pourtant, c'est vérifiable. Tu le vois de ses yeux. Quel bonheur, même pas.
bordel. Oh le oh le bordel. C'était à la fois incroyable et n'importe quoi, rien de ce qu'on avait dit. Déjà les tout ce bordel de bateau pour rien, je sais pas pourquoi je me suis dit je prends pas le bateau. Moi, même Ben qui m'a regardé, j'ai jeté le bateau, il a fait, qu'est-ce que tu fais? Et toi t'es pas tombé toi. Toi t'es parti direct. J'ai failli tomber mais je sais pas. Frère, j'arrive, je saute, tac, boum, on s'éclate tous. Tout le monde tombe, moi je tombe, tout le monde tombe. Il y avait plein de petites meufs qui étaient en train de tomber et tout. J'ai fait oh le bordel, les procès. C'est le tribunal. On est là et tout, on était juste debout en train de faire oh machin tout, je fais les frères, relevez-moi. Et là d'un coup, ils font choupon et tout le monde me lève. Et comme ça me faire sauter, je fais tac tac. Et à un moment genre, je fais ça, je pars de l'autre côté, je suis à deux doigts de m'exploser, tout le monde me rattrape, je remonte, et après moi je suis tombé, je me suis explosé avec une meuf par terre. Je la relève et ils me relèvent, j'avais pas demandé. Ils m'ont relevé, ils m'ont emmené jusqu'au bout. Après je fais genre ça, à un moment donné je fais comme ça. Frère, si on recule encore, moi je suis dans le tour. Vraiment. On a commencé là-bas. Et des meufs elles faisaient, ah je faisais attrape-moi. Attrape-moi frère. Mais toi tu t'es gavé, t'as fait tout droit. Moi j'ai fait tout droit, je me suis tourné toi en plus. Oh bâtard, je suis rentré avec. Pardon, excuse-moi. Moi, ouais. Moi j'étais comme ça. Regarde. Vraiment, comme ça. Mais moi aussi. Comme ça. Moi aussi. J'étais comme ça. Genre, là, moi, j'étais ça, il mettait la main comme ça, frère. Non mais dosé, il touche le corps nu. J'étais comme ça, il y avait des mains qui faisaient ça, des mains féminines avec des ongles rouges et tout ça. Excité. Merci à nous en premier. Il a dit merci, j'ai dit oui. j'ai pas Joule. Il manquait une personne. On donne un contenu, on donne un contenu. Vas-y. Alors. Au Super Zénith. Je te demande sur ça. On donne un contenu. On donne un contenu. C'est de l'eau un peu. Tu fais une terre nocturne. Non, c'est tu vas faire ça. Mais non, fais une nocturne avec nous. Fais une terre nocturne avec Flo. Vas-y. Non, ça c'est... Oli, un truc avec nous là, il faut de l'hommage. Ça, c'est mes couilles directement. C'est le plus classique de ton album. Les gens me parlent plus de ça, c'est mes couilles directement, que l'entièreté de mes sons. Comme quoi, il fallait pas faire ça. Hein. Voilà. Il suffisait de mettre ses couilles. Non. On a un truc à te montrer. C'est quoi l'odeur que t'as là? C'est quoi l'odeur sur sa barbe? Quelle est l'odeur sur sa barbe? T'as deux chances max. Je regrette d'être pote avec Gilles C. En fait, de base, c'était sympa, mais. Non, est-ce qu'il y a une blague genre. Pas non, non, on te touche pas. On J'aime pas les blagues physiques. Y'a rien. C'est quoi l'odeur? T'as deux chances. Deux chances. Qui se paf, Nick Flo? Il a pas eu. J'ai raté. Il a raté. La VAR. Qui se paf? Il a eu? Non, ah, je l'ai pas eu! Vas-y, Ferro. Prime, 500 euros par mois. Mais tu le kisses pas, vraiment, c'est pas tu le pièges, c'est t'arrives, tu fais Roro et tu l'embrasses. Genre, moi, t'arrives, je fais Roro, je le smack. Vas-y, il est en haut. Il est en haut. Non, j'ai trop peur. Roro! J'ai trop peur. Sacha, viens, porte tes fous. Maintenant, tu dis, je te smack et tu le prends. Là, c'est un kisspaf à 500 balles par mois! 500 par mois? Mais oui, dis-lui tout! Vous faites quoi là? Attends, on parle à Roro! Bah, il a pas besoin de toi, je pense! Le smack, tout de suite! Le vrai smack, un truc. Voilà, le vrai smack! C'est bon ou pas? Non, mais tout le monde, vas-y! Jamais d'aller, je t'en pète une! Non, mais toi, mais prends tes couilles! Mais regarde, je m'en pète une, frère! Je peux pète une 500 balles par mois pendant un an, c'est 500 balles par mois pendant un an, c'est 200 balles par mois, je te passe pendant un an, c'est bon! De quoi? Je t'en fous, c'est 200 par mois! Tu me donnes 200 non, euros. Eh gros, t'inquiète, il va rien faire, c'est que de 200 euros par mois. Ouais. Pour ce bisou là. Il va rien faire, il a bien en rose et tout, c'est sûr, ça va.
Non, tu vas faire un truc. En fait, tu vas faire. Il va peut-être faire. Mais perds à toi. Pardon. Pardon. Non. Ah, déjà, attends. 100 balles par mois. Qui donne les 200? Moi, je te dis à toi. Toi à moi. Oui. Toi dans l'histoire. Non. Voilà, donc, ta mère, casse-toi de là maintenant. Je parle pas. Moi, non, j'annule. J'annule. 200 euros, ça vaut pas. C'est même pas par jour, par jour. C'est la moitié, pardon, c'est la moitié de la ça, j'ai rien de ça avec des gens. T'as rien fou ou quoi? Pardon. J'ai mal. Ne fais pas. Allez, sans rancune. Allez, hey. Mère, sans rancune. Et sans, hey. C'est ça, vas-y, frérot. Écoutez, je voulais dire en pure amitié. Il y en a un entre vous qui va se prendre une punition physique. Choisissez entre vous, votez. Non, lui c'est bon, il a raison. Moi c'est bon. Coup, moi c'est triste que j'avais à prendre. Ouais. Maintenant il y a Sacha, genre. Et il y a Benji. Mais c'est pas Benji qui nous protégeait. Benji, t'es comme ça devant toi il y a deux secondes. On va faire comme Koh-Lanta, vous allez un par un devant la caméra et vous dites pour qui vous votez. Je vote pour Benji. Attends, c'est bien. C'est passé quoi? Je vote pour Benji. Benji, tu votes pour qui? En Belgique, je vais te faire découvrir les pizzas. Ouais. Pour le contenu, je peux pas élire un président si c'est pas président. Aïe! Oh voilà. Réponds! Non. Il a dit ton cul! Mais réponds! Dépêche-toi, ton cul! Viens, mets-toi, je trouve! Il est jamais tombé là, part! Je suis désolé juste, là, je te montre! Oh, on l'a attrapé! Non, non, non! C'est pas moi, c'est ta faute, c'est toi qui as tapé! Ça hâte le bon! Non seulement il est puissant physiquement, mais en plus il est très vif, très rapide! Ouais, c'est ça, c'est remarqué ça! C'est la tape du loup! Il fait peur à personne ici, voilà! Regardez, hop! Oh, oh. Impose, elle a vu une verre ou pas? Tiens-moi la canette. Ah non. Tiens-moi le bob. Oh, tiens-moi non, tiens-moi. 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 Qu'est-ce qu'on fait? Y'a rien. Elle tourne. Oh, 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 oh. Qui prend cucu là? Allez. Il est gardé par la butte Louis, il prend aucun risque. Il va pas mal, prends cucu. Qui prend cucu? J'ai mal. Ça va toi? Il a dit ça va. Ça va, c'est ok. Alors, je peux dire que t'en as dans les bras toi. Il adore ça, gros. Ok, j'ai une solution, ok? Regardez. Je vais pas mettre Marceau parce que Marceau il est à part. Merci. Mais c'est fou. Mais maintenant c'est juste. Il y en a un de vous trois qui va se prendre la tarte cucu. C'est qui? C'est entre Sacha, moi et Benji? Oui. Ok. Quoi? Je m'en fous. Vas-y, on va. Attention. Aïe, aïe, aïe. C'est bon, la caméra, non. Ça y est, c'est Gilles, c'est obligé. Tu m'as mis la popole, la bibite. Tu m'as mis 203, bien sûr. Tu m'as mis le coup de... Ah, c'était tout à l'heure. Le mentonton avant. C'était un autre jour, ça. Fini. Non. Je veux la fesse. Je veux une fesse. Ça, non, c'est bon. T'auras rien. C'est quoi ces négo de merde? Non, j'ai frappé le toit. Non, fin de négociation. Enchanté. Enchanté. Jean-Louis. Oh non. Bah si, il veut pas. Bon, il te lâche pas une fesse, soit. Soit. Mais il te donne son cul pour une tarte. Je donne plus. Oh. Bah ça y est, on a fini les négo. Depuis tout à l'heure, je dis non et je me fais frapper quand même. Benji, il a dit non. D'ailleurs, il a disparu, Benji. Benji, il a dit non, il a rien fait. Pourquoi tu tapes que moi? Parce que tu sais que je vais rien faire. Il fera rien, il fera rien. Bon, comment on fait? Vous allez au lieu. Merci pour la force. Pardon des projets. Ok, bon, rentrer à l'hôtel après cette folle soirée. Bon, au final, on n'a rien montré de... On était en boîte, on était au milk en after. Et il s'est passé quelque chose dont je suis pas content. Mmh. Benji, fais écouter. En gros, il y a une abonnée qui voulait prendre une photo avec nous. Et elle m'a envoyé une story, en gros, avec les mains en sang et tout, plein de sang sur elle. Et apparemment, elle a pris une patate parce qu'un abonné a voulu lui passer devant. Il lui a envoyé une patate, mais une patate, genre une patate du Seigneur. Dans le nez, il lui a pété le nez. Elle nous a envoyé des vidéos aux mains en sang et tout. Mais vous êtes complètement fous. Y a pas de vanne là. Non, mais y a pas de vanne là. Mmh. C'est... Non mais j'arrive ma mère, non mais... J'ai un peu une bonne là. Mais non, mais je veux pas faire d'humour sur ça. Mais c'est pas de l'humour, je suis énervé. J'ai envie de dire... Ouais, je... Non, je... Non. Y a pas de problème à prendre des photos. Oui, bien on sûr. On peut faire toutes les photos du mais monde. Mais avec le respect, frère. Attends, ton en fait, tour. Genre dans tous les cas, quand tu vas au cachère. Non, non, là, il y a pas de débat. Si le mec est allé jusqu'à frapper, c'est un gros fils de pute. Voilà, c'est tout. Déjà d'une, mais surtout que avant ou après, il y aurait eu la photo, dans tous les cas. Eh oui.
C'est pas la peine de mettre des patates dans le nez des gens. Voilà, c'est le petit point noir de la soirée, malheureusement. On va avoir des news d'elle, elle va nous tenir au courant. Ça va, vous avez kiffé les garçons? Ouais, c'était incroyable. C'était moi, j'ai vraiment aimé. Le DJ, il était top. Ouais, bah après, c'était pour lui qu'on était. Il y a eu un petit Beans au début, mais heureusement que DJ Ben, c'était là. DJ Beans, je vais vomir. Sacha, t'es content, t'as kiffé? Moi, j'ai trop kiffé. Trop kiffé. Ouais, non, franchement, très bien. Manas, t'as kiffé? J'ai adoré. J'ai kiffé de fou. C'est vrai? Ouais. Manas, il s'est fait embarquer dans des pogos, il s'est fait envoûter par la foule. Frère, Manas, je le vois, il était en galère en train de cadrer comme ça. À un moment donné, c'est fou, frère, on te cherche partout avec Sid. Et là, je vois Manas, il passe derrière Benz. J'ai fait, mais il est sur la scène. Non, t'as pas passé. Il est sur la scène. Va sur la gaffe. Je suis quand même pas un de ta scène. François Cluzet. Là, du coup, lourd. Là, on va rentrer à l'hôtel, on va dormir, on va chacun rejoindre nos petites chambres et tout. Et je pense que ça va être une fin de vidéo. Je sais pas du tout cette vidéo, comme je vous ai dit au début. Attendez-vous à rien et tout en même temps. J'espère que ça vous a fait kiffer. Il attend comme ça. Moi, j'arrive. Non, mais la putain de ta mère, toi. Non, mais c'est fou, tu cadres et il rote. C'est le cadreur qui rote. J'ai la pire équipe. C'est abusé. Bon, donc, il y a un point noir, un point positif et un deuxième point noir, Manas. Gros point noir, fils de pute. C'est une terreur nocturne. C'est horrible. Ce qui se passe, Manas. Manas. Je demande donc à frapper ses héros. Ton tour. Rhumatome. Mais arrête. Là, t'as mal là. Mais t'as défoncé de. Il est énorme, le rhumatome de fou. Il m'a pas tapé dans le dos. Énorme, putain. Tu peux avoir un visuel? Attends. C'est quoi? Wesh. Ah, c'est quoi ça? T'as les clés de la chambre? C'est réglé. Non, j'ai pas, frère. T'as vite là, j'ai pas. Vous avez pas pris vos clés ni l'une ni l'autre. Oh, non. Attends, mais ça m'intrigue ce truc, c'est quoi? Je me suis vraiment niqué en gros. T'es niqué de fou. C'est abusé. Franchement, c'est abusé. J'ai pas mal à la fesse, hein. C'est dingue parce que Manas, c'est la première fois que je le prends sur un cadrage. Il est déjà en train de se plaindre, il est déjà en train de lâcher l'affaire pour le cadrage, il est déjà en train de se détacher de ses tâches. Mais tu peux pas faire sa tête en mode non alors que c'est 100% si. Il y a quelque chose derrière. Il y a quoi, dis-moi? Vas-y, viens, on part, viens, on pose les trucs. Tu veux pas bosser, pourquoi? J'aime bien cadrer. Ouais. Parce que quand tu cadres une vidéo, tout se passe bien. Tu vas tirer une natte entre chaque mot. Il m'énerve, hein, ce mec. C'est une merde, ça. Mais quand tu cadres dans un zénith. Mais la vie de ma mère. Oh, il rend fou, oh. Tu savais dans quoi tu t'embarquais? Oui. Oh putain, le break. Oh, tu m'aides que je pose mes couilles sur ton fond. C'est vérité, hein. Viens faire un débrief sur nos vies tout de suite, instant. C'est fou. On a sauté dans un zénith à 6000 personnes. Presque 6000 personnes, on a sauté dans la foule. Dans la foule, on me déshabille. On me déshabillait, il y avait des meufs, elles mettaient leurs mains là, elles essayaient de toucher mon zbib. Par contre, moi, je veux dire un truc. Là, je vais parler honnêtement. J'ai reçu un message d'une meuf qui se vantait. T'as failli dire trois fois la même phrase. Non, en gros, il y a une meuf qui m'a envoyé TikTok, elle se vantait. Un TikTok. Putain, mais ta mère, la pute. Comment? La mienne? Une vidéo, ouais. Où elle dit, j'ai touché le cul à Jilsi, trop bien, nana. Après, trop bien, en vrai, trop bien. En vrai, trop bien, mais... Quand on me dit, tu sautes dans une foule, qu'on me touche, ça me choque pas. Genre, non, mais il y a touché... Y a des... Non, mais y a... même, je me dis, c'est normal, il y a des gens qui vont essayer de toucher un peu, c'est normal. Tu non, mais... T'es mal à bête. Par contre, il y a des gens qui ont essayé de me tirer le truc, mais de m'enlever mon caleçon. Non, imagine... c'était moi, ça, avec la cam. Et lui, il a tout le temps sa gueule, en fait. Tu sais comment je l'aime pas. Hey. Il a touché. Quand tu touches comme ça, il a touché le coulé. Et ça. Ça comme ça. Après, quand il prend comme ça. Et qu'il prend comme ça. Mais personne n'a fait ça. Personne n'a fait ça dans la foule. Sacha, mon humilité. Mais c'est pas normal. Bah non, c'est pas normal, non. Bah oui. Je disais là, mais arrêtez. 100%. Il faisait des guillis. Arrêtez. Regarde, moi j'étais comme ça. Il y a une meuf, elle a mis sa main sur. Elle essaie de mettre sa main sur ma queue. J'étais comme ça. Ouais. Le coup commence. Je faisais. C'était mon coup, ça. Comme ça, tu faisais des petits guillis, quoi. J'étais comme ça. Ouais, c'était trop sympa. Gros merci à DJ Benz. Merci DJ Benz, le frérot. Incroyable. Merci beaucoup, mon frérot. Toute l'équipe, en vrai, parce que Hugo, Dylan et tout, franchement, c'est le sang. Toute l'équipe de Benz. Benz, Hugo, Dylan et tous les autres qu'on ne. J'ai dit comme toi. On connaît que deux gars. On connaît deux gars en plus de Benz. Non, merci Benz. Il y en a un troisième, il est de cadre, comment il s'appelle? Ah, c'est Hugo. Il s'appelle le mec beau gosse là, qui était chez Floyoli. Gros, j'encule, c'est bon. En fait, gros, tu fais peur à personne, dis. Voilà, ici, voilà. C'est non, mais posons le truc. Tu fais peur à personne. Manas, oui, qui coupe ça. Bref, en tout cas, merci à l'équipe de Benz. Merci à tous. Merci à vous qui étiez là ce soir, qui nous donne une force de ouf. Un jour, écoute, un jour, on va remplir un zénith. Et on va faire quoi dessus? Rien. On vient sur scène, on fait.
merci d'être là. Et après on discute, on fait une FAQ genre. Merci à Benz de nous avoir invités sur ça, bien sûr. Merci beaucoup à vous qui étiez là, de nous donner une force de ouf à chaque fois, de tout l'amour que vous nous... Pourquoi il y a Marceau, est bourré aussi. Marceau il est bourré là, il va commencer à être tout excité. Regardez Marceau quand on le frappe, comment il se défend. Non, t'es là. Allez, Marceau. Oh le bâtard. Oh, t'as mis une patte tout ça. Non, c'est bon, les gars, Quoi, bon, je sais pas exactement la gueule qu'elle a cette vidéo, mais j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que cette petite escapade vous aura plu sincèrement. Merci, vous, la force que vous nous donnez quand vous vous en vrai ou n'importe quoi, c'est assez exceptionnel. On a un rapport très particulier et je peux vous garantir que sur internet, sur YouTube, c'est pas tout le temps pour tout le monde comme ça. Et même ça, en vrai, ça se voit, vous êtes pile frérot, en vrai, vous nous adorez. Non, c'est incroyable, en vrai, c'est ouf, là, c'est fou. Donc merci beaucoup à vous tous, merci beaucoup à vous toutes. Et merci les gars de nous accompagner à chaque fois. Dans c'est réflexe. J'ai... Ah, je me suis enculé tous les... Mes trois tibias, je les ai enculés. Trois tibias. Ouais, parce que j'ai une troisième jambe. Et je parle pas de... Parle, pite... Non. Tu m'avais esquisse. J'ai mal au tibia, attends. J'ai raté de kiss parfois, Flo. Ma mère. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je sais qu'on risque d'être invité dans pas mal de trucs comme ça, notamment des festivals cet été, donc dites-moi dans les comms si vous voulez qu'on vous refilme nos escapades comme ça, de cette manière, on verra. Mais parlez honnêtement, si c'est de la merde, vous dites... Si c'était le flop, vous me dites c'est le flop, les cousins. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous, merci beaucoup à toutes. J'espère qu'on se retrouve très vite pour des prochaines aventures, des prochaines vidéos. Mesdames et messieurs, c'est le mot de la fin. Et bonne nuit à tous. Ciao, binou. Fils de pute. Je crois que tu fais peur à qui? Tu fais peur à personne, mais... Mathieu.